Actualité 7, Journal Créole, Channel Juno 7 là. Monsieur Damien, bonjour, bonsoir, bonjour tout, bienvenue dans Journal Créole, Channel Juno 7 là. Porte-parole de la presse à Gary Desrosiers a annoncé PNH là, quand on a trié mesures privées sécurisées population pendant fête fin d'année. Mais ça, ça Gary Desrosiers a dit population continuer à collaborer avec institutions policières pour s'arriver et déraciner toute mauvaise graine qui a poussé un coup de jonjon dans la société. À commissaire gouvernement de Prince Maître Edler Guillaume, libéré mercredi 20 décembre 1934 à l'autre prisonnier qui tape copie dans la prison en d'abri national depuis plusieurs années pour déliminer. Employé SNGRS a pris la rue hier mercredi 20 décembre devant local boîte là pour demander l'État augmenter salaire et puis mettre plus cob sous 4 débits. Office protection citoyen OPC présenté hier mercredi un document sous formation droit santé mentale mon nan pays a dans une présentation du si la directeur promotion à communication OPC Raphaël Théoma Daniel fait qu'on est ça gagne ensemble technique pour aider organisation dans cette civile là tant que l'école l'église groupement bien gérer question mentale. Bienvenue dans le développement information. Yo, direction générale police a mis en place un plan sécurité globale, sécurité dans tout pays, un objectif pour permettre fête fin année au bien passé. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, hier mercredi 20 décembre, dans porte-parole police la Gary Desrosiers, il déclarait la police la prend toutes mesures pour garantir sécurité tout citoyen qui a bien pour vaquer activité yo, surtout dans sortie la nuit yo. Commissaire divisionnaire dans sa mandé population pour collaborer avec la police dans le cadre intervention Lyon. Côté déclaration Gary Desrosiers. Objectif principal là, c'est instaurer un plan global sécuritaire pour bon déroulement festivités et activités sur tout le pays. Objectif spécifique et mission, c'est augmenter visibilité policière à travers toute zone yo, et que ce soit au niveau de la zone métropolitaine également, dans les villes de province. Renforcer sécurité au niveau axe routier pour nous capables mieux protéger chauffeurs et piétons. Renforcer dispositif sécurité dans les villes. Collecter un ensemble d'informations qui sont capables de conduire à des opérations ciblées. Réguler la circulation, protéger fétario et surtout les opérations d'activité nocturne et encourager la prévention des risques pendant l'époque festivité. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Jean-Edler Guillaume, libéré hier mercredi 20 décembre, 34 autres prisonniers qui tapent coupé dans prison dans le pénitentiaire national depuis plusieurs années pour déliminer libération groupe détenu ça a rentré dans quatre processus débourré prison civile pour fin année dans l'idée pour combattre détention préventive prolongée dans centre carcéral yo. Dans déclaration dans micro la presse, commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Edler Guillaume confirmé un total 82 prisonniers qui joignent libération yo après au fin passé plusieurs l'année dans prison pour voler téléphone ordinateur animaux ou bien battant avec mon chef parquet capital là bay rendez-vous mardi pour poursuivre processus libération prisonniers qui commettent des liminaires. On écoute déclaration maître Jean Edler Guillaume. Gouvernement à travers feuille de route que j'ai ban moi je demandé pour me combattre ça qui a brûlé la détention préventive prolongée. Mon nom est libéré, c'est mon qui était doué jugé déjà. Pour pas de chance. Jugé. Mounzaïo, c'est moun qui te ka pren maximum 1 an à 2 ans d'emprisonnement. Pourtant, il y a 4 ans, 5 ans. Donc, nous choisissons Voyo Lakayo. Voyo Lakayo, parce que l'infraction yo fait, yo pas grave. Yo fait des infractions mineures. Nous choisissons Voyo Lakayo. Je ne te dis que ça qui a la caillou parce que le commissaire gouvernement étudie le dossier. Il n'y a pas de matière pour être dans la prison encore. Et il a dit là pour vol de téléphone, pour vol de bétail, pour vol simple, nous choisissons.
Gros vent tension soufflé hier mercredi 20 décembre 2023 dans matin devant bâtiment qui loge service national cap géré Fatra dans pays SNGRS employé boîte Sila revendiqué un mouvement ça à cause mauvais gestion boîte là yo remarqué cap fait prestataire réclamé augmentation salaire ak bonjour condition de travail yo te dressé barricade devant institution yo nan employé protestataire qui t'a réagi dans micro la presse fait connait yo sous 10e jour depuis yo campé travail à cause responsable yo pas fait rien pour améliorer fonctionnement boîte là en côté station nous gè problème yo pas ba nous augmentation le fini nous pas gè côté pour nous bien là nous malade yo pas concerné l'hôpital de nous en même yo pas ba nous en même ici là donc c'est raison ça qui fait que nous mobiliser pour les caoutchouc là depuis jodi a fait 10 jours depuis nous campé là pas gè monde qui vient dire nous mais ça a pété pour nous augmentation on pas dit nous rien donc 4 mois là donc 3 mois plus bonus on fait 4 mois. Donc, pas aucune instance dans le direction qui dit non. Donc, combien de temps mobilisation ça dure là? Nous avons juste pour nous faire l'augmentation. À qui est-ce que nous pouvons négocier? Algérien pour le monde. Nous pouvons travailler avec encore. On est coupé de par volonté là. Là, aller. De par volonté, il y a toi. Là, aller, il retourne encore. Cette là, la société passe, ça fait 2 ans de fait. Office Protection Citoyen OPC présenté hier mercredi un document sous formation droit santé mentale mon nan pays a nan moment présentation li si la le directeur promotion à communication OPC Raphaël Théoma Daniel qui fait qu'on est livre ça gien ensemble technique pour aider organisation dans société civile là tant que l'école l'église groupement yo bien gérer question santé mentale là ensemble technique ça yo c'est une façon pour accompagner monde qui victime zak violence et puis qui vivent dans la pérèse un bien consultant projet sous formation droit santé mentale en OPC. Maître Nem Jean-Baptiste déclaré document s'il a avisé deux catégories moun tant que s'il a fait formation pour jeunes dans l'école université ak nan l'église on écoute déclaration Maître Nem Jean-Baptiste un sentiment de satisfaction que moi animé lui et c'est même sentiment ça d'ailleurs qui était animé le moi était commencé travail sur module de formation sur le droit à la santé mentale on dit que son contribution citoyenne que lié son contribution citoyenne, donc moi j'étais très content de collaborer avec l'OPC dans le cadre de projet ça pour produire le document ça. Donc c'est en toute humilité que nous produisons le document et que nous présentons comme contribution dans le cadre de cause qui est grand parce que ben voilà, c'est vraiment avec sentiment ça que moi j'ai animé. Mairie Delma compte organiser 1er janvier 2024 cap venir là une journée la prière dans local palais municipal mairie à Delma 33 journée action grâce à fête dans l'idée pour dire bon Dieu merci pendant toute année 2023 et puis commencement année 2024 la magistrat Delma Wilson jeudi mandé tout le monde venir participer dans activité si là li encourager citoyens continuer mettre main avec mairie Delma pour commune là venir plus belle et puis plus propre en coup de déclaration Wilson jeudi nous même nous là nous croyons que ça qui est plus important pour nous aujourd'hui hein. Père nous dit bon Dieu merci pour ça qu'il fait dans Delma parce que je dis ainsi que nous avons des poches de résistance, des poches côté nous avons une équipe qui a simé terreur dans le pays ça au niveau de Delma parce qu'il y a une pile route qui percée. Nous arrivons à faire près de 70 dallots pour nous faire pont qui permet pas gagner si on a des petits coins qui pas gagner dans Delma, qui pas écouter pour nous mettre des doyaux qui fait que. Je dis à nous capables, Delma tourne en refuge, tout le monde qui saute tout partout, ils sont venus là pour nous. Le travail n'est pas facile. Nous toujours disons bon Dieu merci pour ça, parce que chaque 1er janvier, nous disons bon Dieu, nous faisons loin de voler. C'était sous route à l'aéroport. Hein. C'est bien malheureux. Belle fête, nous avons fait sous route à l'aéroport. Ça fait 2 ans que nous ne sommes pas capables de réaliser ça, nous avons fait sous route à l'aéroport. Hein. Mais nous choisissons d'amener le palais municipal là pour nous capables de sécuriser mon yo, pour nous capables de faire action de grâce, pour nous dire bon Dieu merci pour tout ça nous fait, pour l'année que nous passons, comment nous garder nous, même les que nous connaissons pile monde qui est allé, qui est tombé. Mais c'est ça la vie. Mais nous même toujours quand nous gagnons là, nous gagnons force, nous faisons nous bon Dieu gloire pour nous dire merci. Nous ne sommes pas obligés de fatiguer, prier bon Dieu pour nous dire merci pour ça le fait.